Présenté, je vous parle depuis San Francisco, où je suis basé de manière permanente, en charge pour Business France en Amérique du Nord de la filière industrie et clean tech, et sur les deux métiers hein, de Business France, donc aussi bien l'accompagnement des entreprises françaises que le métier de l'attractivité, de la promotion de la France auprès des investisseurs américains et canadiens. Vous ne me connaissez pas nécessairement, c'est aussi parce que je m'efface très régulièrement et très volontiers derrière Elodie, dont vous connaissez toute l'efficacité et qui fait très bien le job. Donc Elodie présente dans ce call, ainsi que Jérémy dans son équipe. Donc vous savez qu'il a développé au fil des ans une excellente connaissance du sujet hydrogène et un très bon réseau aussi, un très bon réseau de contacts en la matière. Et puis pour faire un peu le tour de mon équipe présente dans cette session, également à l'écran, Lucas, qui est basé à Houston. Et qui est, en ce qui concerne Hydrogen Connexion, qui est ce que les Américains appellent le product owner. Donc, c'est lui qui assure, je dirais, la permanence sur ce beau sujet qui est Hydrogen Connexion. Alors, je vais peut-être partager mon écran, mais c'est juste un visuel à ce stade. Et je vous remercie par avance de me confirmer que vous voyez bien mon écran. C'est bon, Stéphane. Ouais. OK, super. Alors, comme l'avait écrit Jean-Michel dans l'invitation qu'il vous a fait parvenir, l'objectif de cette réunion, c'est de vous présenter dans sa nouvelle version le club Hydrogène Connexion, que vous connaissez tous déjà, ou en tout cas dont vous avez sans doute entendu parler à minima. Club que nous avions lancé il y a un peu plus de 2 ans, depuis les États-Unis, depuis l'Amérique du Nord, et qui évolue cette année, qui évolue de manière assez forte, en passant d'une approche qui jusque-là était strictement franco-nord-américaine, à une dimension beaucoup plus globale d'un point de vue géographique. Donc, pour rappel, hein, l'idée originelle de ce club, bah, elle était finalement assez opportuniste parce que, en le lançant, on avait vu l'intérêt d'occuper le terrain à un niveau international sur un sujet émergent, mais à fort potentiel et en tout cas important pour la France. Et puis, on avait vu aussi l'intérêt de créer une communauté business. La plus large possible et puis la plus quali possible au profit, au bénéfice des territoires français et des entreprises françaises. Alors aujourd'hui, pour traduire l'évolution dont je vous parle en 2024, je voudrais mettre en avant 2 éléments majeurs. Le premier, c'est vraiment la volonté de notre agence de Business France de donner des moyens supplémentaires à ce club pour passer à la vitesse supérieure et pour saisir un peu le momentum du marché. Alors, momentum, si vous vous intéressez beaucoup au sujet de l'hydrogène vert, de l'hydrogène décarboné, vous le savez, comme toute technologie de rupture, c'est le développement de cette technologie doit certes affronter quelques obstacles. Mais il est aussi promis un bel avenir, et j'ai même envie de dire un avenir qui est presque au présent, parce qu'il y a beaucoup d'applications industrielles, il y a déjà des investissements importants, en France certes, mais un peu partout dans le monde, et c'est un constat que nous faisons par exemple en Amérique du Nord, et que nos collègues dans d'autres pays partagent avec nous aussi. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment se donner des moyens supplémentaires pour profiter du momentum. Et alors, le deuxième élément, c'est quoi ces moyens supplémentaires chez Business France? Ben, en fait, c'est impliquer un grand nombre de nos bureaux à l'étranger. Donc, comme vous l'avez compris, là, l'équipe présente dans ce call, elle est uniquement en Amérique du Nord.
Mais on a désormais une équipe élargie pour conduire ce club Hydrogène Connexion, qui d'ailleurs est désormais copiloté avec notre siège. Et nos autres bureaux à l'étranger, ils ont pour mission de faire connaître ce club localement pour recruter comme membres des entreprises locales, dès lors qu'elles sont positionnées sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Nos collègues ont aussi pour mission d'alimenter le club en contenu et de créer eux aussi des événements liés à ce club dans leurs pays respectifs, chaque fois que c'est nécessaire et pertinent. Et donc, de ce fait, d'augmenter en fait la valeur du club et d'augmenter son réseau. Alors, on a commencé par une quinzaine de pays, ceux dans lesquels l'hydrogène vert aujourd'hui est un enjeu industriel. Mais on ne s'interdit absolument pas d'étendre au-delà de ces 15 pays. Alors, ça vaut peut-être le coup à ce stade de passer rapidement en revue le contenu du club. Que d'ailleurs, alors excusez-moi, est-ce que vous voyez ma prochaine slide? C'est bon, Elodie, merci. Que d'ailleurs nous appelions le hub dans le passé, le hub Hydrogène Connexion. On a abandonné ce terme. Le terme de club est beaucoup plus approprié parce que finalement c'est ce qu'il est. Et puis on souhaite aussi désormais éviter la confusion avec les 7 clusters hydrogène qui ont été mis en place aux États-Unis et qui portent le nom de hub. Donc nous, on est vraiment le club Hydrogène Connexion. Juste pour un rappel rapide de ce qu'on propose à l'intérieur de ce club, de ce qu'on propose aux membres, on peut le résumer par augmenter votre visibilité, votre attractivité. On propose 3 choses. On informe, on connecte ou on facilite les connexions entre membres et on augmente la visibilité des membres. Donc on informe au travers d'outils que sont une newsletter mensuelle, on a un groupe de discussion LinkedIn privé, mais aussi et de plus en plus au travers d'événements qui peuvent être physiques ou virtuels, on donne la parole à nos membres et donc ça permet à la fois d'informer les autres membres et d'augmenter la visibilité de ceux qui prennent la parole. De manière très concrète, parmi les événements les plus récents que nous avons pu faire, ce que vous voyez sur la slide, c'est à gauche certains des événements que nous avons menés en 2023, et d'ailleurs au passage pour lesquels des replays sont disponibles si ça vous intéresse. J'ai highlighté, pardon, j'ai mis en rouge quelques événements qui, je dirais, résonnent peut-être plus pour vous, qui sont soit des événements de networking, soit carrément des webinaires de présentation, puisqu'on l'a fait en 2023 avec 2 régions, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, des webinaires de présentation de vos stratégies régionale en matière d'hydrogène. Ce que vous voyez à droite de la slide, c'est alors un peu des événements, mais c'est aussi le fait qu'on a et on continuera de nouer des partenariats avec des entités étrangères et notamment avec des salons. Ça nous permet de proposer aux membres du club un certain nombre de choses, à commencer par des réductions des tarifs avantageux, voire parfois même une gratuité à l'entrée de certains salons à l'étranger. Ça permet aussi de prendre la parole, d'avoir plus de visibilité sur ces salons. Et puis j'ai mis en rouge, évidemment, l'action qu'on a menée en début d'année sur le salon High Evolution à Paris, sur lequel je pense que vous étiez tous. Moi, j'ai été impressionné de voir la présence des différentes régions et des pavillons, preuve de l'intérêt pour le sujet et du dynamisme de ce salon sur lequel nous, on a Business France a fait venir
à peu près 70 donneurs d'ordre étrangers et à l'occasion duquel, à l'occasion de ce salon, on a fait aussi un événement particulier sur l'innovation de la France en matière d'hydrogène vert. Alors, c'est sûr que ce que vous voyez à l'écran, c'est quand même très lié à des sujets nord-américains, puisque, comme je vous l'ai dit, jusqu'à très récemment, le club était exclusivement transatlantique, mais désormais, il s'étend. Alors, au-delà du contenu, on a un certain nombre de membres, une cinquantaine à ce stade, des membres corporate, industriels. Pour rappel, ces membres, lorsqu'il s'agit de... Alors, de toute façon, j'allais dire lorsqu'il s'agit d'entreprises, à 95%, 98%, ce sont des entreprises, puisque les seuls autres membres que nous accepterions, ce sont les territoires français. Donc, une cinquantaine de membres. Pour rappel, ces entreprises se situent, se positionnent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, depuis des équipementiers jusqu'à des utilisateurs hein, de l'hydrogène. On a encadré en rouge quelques-uns de nos membres qui sont aussi investisseurs en France, puisque vous le savez, c'est quand même l'objectif ultime du club Hydrogène Connexion, c'est de mettre en valeur les territoires français et les entreprises françaises. Et donc, on est, nous, très fiers d'avoir parmi nos membres un certain nombre d'entreprises américaines et un peu canadiennes aussi, qui sont des investisseurs en France. Alors, cette liste de membres s'allonge, puisque, comme je vous l'ai dit, on s'étend au-delà de l'Amérique du Nord. J'ai parlé d'une quinzaine de pays. Vous voyez en gros à l'écran où ils se situent. Et j'ai mis juste sur cette slide quelques noms, quelques logos de membres très récemment recrutés. La liste n'est pas du tout exhaustive, c'est juste que je ne voulais pas rendre illisible cette slide. Mais le mouvement est bien lancé. On en a aussi qui nous arrive très prochainement du Brésil. On en a en Espagne. On en aura plus en Allemagne. Donc voilà. On est, je pense qu'on sera assez facilement, qu'on atteindra une centaine de membres dans les mois qui viennent. Et puis, comme je l'ai dit, l'inclusion de nos collègues dans ces pays, dans cette quinzaine de pays, ça nous permet progressivement d'enrichir et d'internationaliser encore plus la programmation que nous avons, l'offre de contenu. Donc, en ce qui concerne des événements, vous voyez à l'écran, je dirais, une version à jour, mais qui évolue au fil de l'eau, d'événements qui auront lieu cette année, qui sont à la fois, c'est un mélange d'événements virtuels et d'événements physiques. Hein. Par exemple, celui qui aura lieu en octobre au Brésil, il se passera sur place. C'est la même chose pour le Danemark en fin d'année. Donc voilà, progressivement, ça s'enrichit à chacun de ces événements et l'opportunité pour vous de prendre la parole. Alors évidemment, on l'organise en amont, mais nous, on est ravis de faire de la place dans cette programmation pour organiser un événement complètement dédié. Voilà, je voulais terminer la présentation de notre offre et des choses qu'on a faites récemment ou qu'on a prévu de faire prochainement par, on va dire, une espèce de cas d'usage, puisqu'on a, fait plusieurs choses de manière très concrète. On a fait plusieurs choses récemment ou depuis le lancement du club. Alors, avec la région Occitanie, je ne veux pas...
Je ne veux pas, comment dire, mettre forcément en exergue une région plus qu'une autre, hein, mais l'idée est de vous donner quelques exemples concrets pour que vous puissiez voir comment vous pouvez faire levier de ce club. Donc, en l'occurrence, avec Adoc, on a d'une part offert une prise de parole à Washington DC en novembre 2022, à l'occasion d'un événement qu'on organise chaque année qui s'appelle le Green Energy Summit. Et donc, en l'occurrence, là, c'était à l'ambassade de France aux États-Unis. Et donc, avec une prise de parole pendant cette conférence en binôme avec l'entreprise américaine Universal Hydrogen. Il y avait eu aussi un webinaire qui présentait la stratégie régionale en matière d'hydrogène, notamment avec Plug Power. Et puis plus récemment, il y a eu aussi pardon, une session de networking qui était ouverte à d'autres régions, hein, mais qui était un événement Hydrogène Connexion. Et puis plus récemment, j'ai évoqué Hyvolution en janvier à Paris. À l'occasion duquel on a permis à Bruno, je ne sais pas s'il est parmi nous ce matin, enfin ce soir pour vous, de prendre la parole accompagné de l'entreprise Genvia. Stéphane, je crois qu'on a perdu Voilà. la slide. On voit ton agenda Outlook, juste pour dire. Oh, ok, autant pour moi. Excusez-moi, est-ce qu'elle est revenue? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Si, est-ce que vous avez des questions à ce stade par rapport à tout ce que je viens de dire et de présenter? Ok, dans ce cas, je te laisse la parole, Élodie, pour présenter comment cette évolution du club et l'extension géographique se traduit dans notre offre. Et je mets la slide. Merci. Donc effectivement, peut-être pour revenir rapidement sur l'historique, on a eu dès la première année en fait des partenaires régionaux qui ont embarqué dans l'initiative. La première année, on a eu Pays de la Loire, Aura, PACA et Occitanie. La seconde année, on a poursuivi avec Aura et l'agence ADANC, donc Occitanie, dont on a vu l'illustration tout à l'heure, Stéphane, notamment d'un côté sur le Green Energy Summit, mais également sur Hyvolution à Paris. On a fait évoluer notre offre au fur et à mesure. La première année, on était sur un package relativement large où on englobait à la fois les ARD, mais aussi les partenaires régionaux dans leur ensemble et avec leur casquette export. Donc, le package a évolué, a été revu et resserré en fait pour les agences régionales de développement avec qui ont vraiment une mission attractivité invest comme nous. Donc, cette offre est sous vos yeux là. C'est la même que l'année dernière, sauf que maintenant, on a un périmètre qui est beaucoup plus large et pas seulement Amérique du Nord. Donc, c'est pour ça qu'on tenait vraiment à faire ce webinaire avec vous ce matin ou ce soir ou cet après-midi pour vous côté France. Donc, c'est une adhésion ou un membership, en tout cas annuel, qui donne accès à tous nos modules d'information. Vous vous rappelez hein, la première slide de Stéphane tout à l'heure entre information, connexion, je la reprenne moi sur les yeux de mon côté. Et puis visibilité. Donc une page exposant personnalisée de votre région sur notre plateforme, mais également un affichage de votre logo permanent sur tous nos supports de communication, sur notre site, la plateforme et puis tous les événements sur lesquels on va communiquer en parallèle. Évidemment, la possibilité d'avoir un encart ou de la visibilité sur notre newsletter mensuel en fonction de votre actu régionale. Information et invitation évidemment aux différents événements du club. Donc, gardez bien en tête, on n'est plus sur le schéma Amérique du Nord, mais ça ouvre à un certain nombre de pays qu'on vous a proposé tout à l'heure, présenté tout à l'heure. Donc, ça, c'est très pertinent, je pense. Et une prise de parole à l'occasion d'événements
sur le club. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on l'a déjà eu fait dans le passé sur notre événement phare du Green Energy Summit qui a lieu une année sur deux, soit aux États-Unis, soit en France, soit à Paris, et ou encore sur iEvolution en début d'année. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on renouvellera en début d'année prochaine. Donc, un tarif préférentiel également pour des entreprises de votre territoire. Ça y était peut-être pas nécessairement l'année dernière, mais c'est un ajout de notre part. En tout cas, ça peut être pertinent de votre côté. Et le montant de la participation est stable par rapport à l'année dernière, sauf encore une fois, on change de périmètre. Donc, c'est d'autant plus pertinent. Voilà, je ne sais pas si tu veux enchaîner sur une autre slide, Stéphane, ou directement. Je crois que la dernière slide, c'est juste la présentation d'une partie de l'équipe. Qui me permet de rappeler de nouveau que c'est pas uniquement. Alors nous, on poursuit depuis les États-Unis, depuis l'Amérique du Nord, on poursuit le mouvement parce que ça fait 2 ans qu'on le fait et comme je l'ai dit, c'est Lucas présent à l'écran qui en assure la permanence, mais c'est désormais copiloté avec notre siège en France et avec une animation. De l'ensemble des bureaux de Business France qui sont concernés dans d'autres pays. Voilà, je crois que c'est la dernière slide de notre présentation et donc c'est de nouveau l'occasion, si vous le souhaitez, de nous poser des questions. Est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur la slide présentant une petite palette des membres, en tout cas nord-américains, ouais. Enfin internationaux qu'on a voulu mettre en avant. Je voudrais juste peut-être préciser que c'est pas exhaustif évidemment, mais qu'on a essayé de mettre en highlight, là, encadré en rouge foncé, certains comptes qui sont suivis côté Invest, c'est-à-dire qui sont dans le portefeuille de nos chargés d'affaires Invest ici en Amérique du Nord. Donc ça pourrait être Jérémy ou d'autres collaborateurs de l'équipe, mais certains d'entre eux sont historiques dans le club, tels que Emerson ou encore Cummins, Plug Power aussi évidemment, qui souvent intervient à nos côtés. Et puis au fur et à mesure, on a aussi des comptes de taille intermédiaire qu'on arrive à faire rentrer au sein du club, tels que Universal Hydrogen, qui a également témoigné à nos côtés lors du Green Energy Summit, mais des comptes tels que Charbonne, qui n'est pas encore présent en France, mais sur le point, en tout cas, qui a projet, ou encore une société telle que Waste to Wage. Évidemment, la liste là n'est pas exhaustive, c'est une palette. Et ce que j'aurais aimé peut-être ajouter, et Jérémy également n'hésite pas à compléter, mais sur l'événement iEvolution du début d'année, là, on a eu une très belle collaboration nord-américaine avec à la fois les équipes Export Invest, vous l'aurez compris, hein, c'est une initiative qui est totalement conjointe et nos équipes sont totalement intégrées. On a fait venir un certain nombre d'acheteurs nord-américains sur le salon iEvolution, mais quand on dit acheteur, ça peut vouloir dire acheteur de solutions françaises, évidemment. Et là, on est totalement dans une optique export, mais c'était aussi des entreprises qui ont des projets de développement sur la France/Europe. Et là, je crois que sur la quinzaine de comptes qu'on a pu faire venir avec l'équipe, on avait, je les ai sous les yeux là, peut-être il y a eu des désistements, mais on avait au moins 6 ou 7 comptes qui sont co-suivis par les équipes Invest aussi en parallèle. Donc, j'en ai là sous les yeux. On a cité tout à l'heure Universal Hydrogen, évidemment Plug Power, mais Ballard, le Canadien qui est au sein du club depuis le départ, en fait. Hein. Waste to Wage a été mentionné tout à l'heure, ou encore SAF Plus, ou encore Hydrogen in Motion. Voilà, je voulais tout simplement préciser que on parle d'un club avec un certain nombre de membres, mais je pense qu'il y a des entreprises, et pas que nord-américaines maintenant, elles vont être internationales, qui sont des potentiels investisseurs pour les territoires français, en fait. Soit déjà présents, tels que les Cummins ou Emerson, et qui ont peut-être des projets d'extension ou de diversification, soit des nouveaux entrants, parce qu'il y a de la technologie qui pourrait être tout à fait à développer avec des partenariats et donc des implantations en propre sur le marché français. Oui, merci Elodie. C'est très important de le dire dans la suite là, de ce que tu viens de dire. Donc d'abord sur iEvolution, on a eu plus de 15 hein, donneurs d'ordre nord-américains invités et donc qui sont venus. Je l'ai dit tout à l'heure, au total, on en avait plus de 70 si on
worldwide, et puis on a organisé quelque chose comme, enfin, je sais, plus de 400 rendez-vous sur place avec des entreprises françaises. Et ça illustre notre capacité à faire au travers de ce club Hydrogène Connexion. Et ce que ça illustre aussi, c'est ce qu'on voit, nous, dans ce club, c'est que certains des membres savent très bien en faire levier de ce club, parce que c'est un peu open bar, hein. Vous pouvez, si vous êtes proactif, si vous prenez l'initiative, vous pouvez avoir une prise de parole, vous pouvez communiquer très régulièrement sur des projets qui se passent dans votre, sur votre territoire, ou mettre en valeur des entreprises de votre territoire qui ont des choses à faire savoir. Et puis, il y a aussi la partie connexion qui peut se faire de manière différente. Mais par exemple, on voit des membres qui demandent à être connectés. Là, pour le coup, Lucas, qui est ici présent, il peut faire ça à tout moment. Il peut s'occuper de faire des mises en relation. Et donc, il y a des membres qui savent le faire. On a quelques entreprises françaises qui profitent très, très bien de leur membership. On voit des étrangers bien profiter du club. On s'en réjouit d'une certaine manière parce qu'on crée une communauté et elle est internationale. Mais on aimerait, je vous le dis entre nous, on aimerait que ça soit aussi et surtout au profit des entreprises françaises et des territoires français. Donc, il y a, enfin, si vous êtes membre, ce que j'espère vous serez de nouveau très prochainement, il y a aussi une forme de proactivité à avoir pour profiter au maximum de ce qu'on propose. Et notamment la partie connexion avec des entreprises étrangères. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, enfin, si vous n'avez pas de questions à ce stade ou pas de remarques, bah, je vous propose de nous arrêter là. Mais évidemment, en vous suggérant de nous contacter. Alors, vous avez ici sur cette slide, on va vous envoyer évidemment le support de présentation, un certain nombre de coordonnées. Je pense que mais vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces emails pour nous solliciter et on est vraiment à votre écoute et à votre disposition. Merci et bonne fin de Merci journée. bien. Merci à tous Merci. pour votre participation. Merci, au revoir. Merci. Merci. À très À bientôt. bientôt. Au À revoir. bientôt. Bonne journée. Stéphane, Oui. je te confirme que nous sommes intéressés. Super. Bon, ben, ravi de l'entendre, Nicolas. Et dans ce cas-là, on reprend contact, on te contacte avec les next steps. Tout à fait. Pour être complètement transparent avec toi, j'ai ma directrice qui souhaite qu'on fasse partie du club, ce qui n'est pas forcément le cas de Nathalie qui voyait pas trop d'intérêt. Par contre, ce que j'espère, j'ai vu dans les slides que tu as Daniel Hyssen en expert et Daniel est chez nous. Mais j'ai un moment, j'ai failli poser la question, comment on fait pour avoir un expert? Puis quand j'ai vu son nom, j'ai dit, bon, ferme ta gueule, il est déjà là. Voilà. Bon, Mais ça nous intéresse très fortement. ah bah super, Je confirme. très bien. Voilà. Bon, eh Bah bah écoute, une bonne manière de conclure cette session. ça marche. Allez, à À bientôt, bientôt. Nicolas. Salut.